nous bénissons bon Dieu matin pour être capable de la présence li. Et parce que lui fait nous grâce pour nous être capable bien vivre matin, nous avons invité ensemble avec nous chanter cantique ça qui dit près de Jésus je trouve un sûr asile. Ensemble. Près de Jésus je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Oui, Seigneur, près de toi, nous sommes plus que vainqueurs. Près de toi, Seigneur, il n'y a plus de frayeur, mais la joie est indicible. Près de toi, Seigneur, notre âme est heureuse et paisible. Et comme, Seigneur éternel Dieu, étude n'a fait à dit nous, yon jour nous gagnons pour nous avec vous, pour tout en guettant. Donc, près de vous-même, c'est va la joie, c'est va le bonheur, c'est va la paix pour tout temps. Et c'est assurance ça nous gagne matin hein, qui fait nous continuer à faire chemin hein, malgré vent et marée, malgré tout problème la vie a été capotée, malgré monde qui a tombé à gauche à droite. Mais psalmiste a écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il continue pour le dire, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est espérance pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas espérance dans un homme. Nous n'avons pas espérance dans un gouvernement. Nous n'avons pas espérance, Seigneur éternel Dieu, dans un membre de famille. Nous n'avons pas espérance dans le travail. Nous n'avons pas espérance sous à 40.
bank account nous ou bien compte bancaire nous. Mais espérance pas nous c'est dans ou lié. Car Paul dit si espérance pas nous dans le monde là seulement eh bien nous t'a monde qui plus malheureux sur toute terre. Mais espérance pas nous lié aller au-delà de l'espérance du monde. Oui. L'espérance par nous, c'est dans Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur, notre libérateur. Matin, nous approchons devant trop nous, Seigneur, avec un pile crainte, avec tremblement. L'aime songer que nous sommes bon Dieu d'amour, mais en même temps, nous sommes bon Dieu qui juste dans le jugement. L'aime songer, Seigneur, nous sommes bon Dieu qui lent à la colère, mais nous riche en bonté. L'aime songer, Seigneur, éternel Dieu, les ont frappé pied où toute la terre tremblait et que les hommes pas capable reconnaître ça puisque ils continuent à frapper l'estomac, ils continuent à batailler pour pouvoir, ils continuent à faire méchanceté, ils continuent à abuser si là au qui petit passé, ils continuent à faire différence de classe. Ils continuent à faire différence de couleur. Ils continuent Seigneur éternel Dieu à vivre dans l'égoïsme. Oui Seigneur. Un jour tant qu'aujourd'hui nous va pour nous face à face et jour ça et pas trop loin. Donc, nous merci Seigneur pour force ou ban nous pour nous kembe. Merci pour courage ou ban nous pour nous continuer. Car sans nous même, nous t'avons abandonné coussin déjà. Donc, nous merci matin pour tout frère nous action nous qui kembe. Et gen ça qui déjà tombé, nous avons demandé le bras pour nous lever Seigneur pour nous continuer lutte là. Gen Seigneur qui a abandonné, nous avons demandé parler à cœur pour nous capable prendre conscience pour nous retourner dans coussin. Puisque c'est la fin ou à payer dans coup ça. Et pour nous capables de dire, même Jean-Paul, nous combattons bon combat, nous te kembe la foi, et nous arrivons dans la limite que nous devons arriver dans coup ça, qu'on y a assez couronne de récompense dans le temps, mais mon Dieu, qui c'est le juste juge. Accompagnez-nous. Matin, dans l'étude que nous allons faire, pas quitter c'est la voix d'un homme, pas quitter c'est l'opinion d'un homme, c'est la philosophie d'un homme, la connaissance d'un homme, mais quitter ce Saint-Esprit, ou Seigneur, qui possède nous entièrement corps, âme et esprit, et que ça cap sauté, nous, c'est va dicter de la part du Saint-Esprit, et que nous-mêmes, nous va faire que répéter, et homme capable d'édifier, homme capable de sauver. C'est écrit que nous, assistez-nous. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Sans nous pas perdre du temps, nous avons passé immédiatement dans l'étude parole nous et que nous avons continué avec l'enlèvement de l'Église. Mais cette fois-ci, nous avons gagné pour nous porter plus de précision sur l'Église. Parce que nous avons parlé de l'enlèvement qui Jean-Jésus-Christ vient pour venir prendre l'Église. L'Église vient pour l'enlever, l'Église vient pour le monter. Pour la rencontrer Jésus-Christ qui était mort, qui est fondateur de l'Église, et apprend transformation, les sauver, les croyants, pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Donc, on a continué toujours avec l'enlèvement de l'Église, et qui c'est un événement inégalé, un événement qui sans pareil. Et c'est ça que fait Paul, dit son mystère, comment ça fait pour moi ressusciter, sauter en bas terre et puis ressusciter avec un autre corps, un corps glorieux, pour le monde qui va arrêter sous terre, il a transformé ensemble et puis pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les nuées. Waouh! Qui joue ça va y c'est va un jour merveilleux. Donc matin, hein, nous voulons faire nous avons parlé sous l'Église. Et nous avons fait une petite histoire dans une grande histoire de l'Église. Nous disons une petite histoire dans une grande histoire, c'est parce que nous ne disons pas toutes les bagailles de l'Église, mais il y a des bagailles où besoin qu'on ait de l'Église. Parce que si l'Église a enlevé, nous parlons de l'enlèvement, mais pourtant, nous n'avons pas parlé presque de l'Église. Donc nous prenons le soin pour nous parler de l'Église et matin. Et premièrement, l'Église c'est qui ça? L'Église vient de un mot latin qui
qui c'est Ecclesia. Il écrit E C C L E S I A. Ça c'est mot latin. Mais qui sorti de un mot grec tout qui relait Ecclesia. Autant de yo sonne même gens, mais ou pas écrit même gens. Grec mot grec là, il écrit E K K L E S I A. Et qui ça signifie? Lin signifie assemblée. Et c'est à partir de là nous prenons le fond qu'on est que il y a différents types d'église. Lin signifie assemblée. Et assemblée ça a venu de un verbe tout en grec qui est le ekaleo. C'est E K K A L E O accent circonflexe qui signifie convoquer ou appeler au dehors. Donc c'est ça l'église. En général, l'église veut dire assemblée. Nous t'aimer mais nous prêter attention nous parce que ça cap dit très important et pas dormir, rester en éveil pour nous attendre des bagailles cap utile à nom nous. L'église veut dire assemblée. Donc si l'église veut dire assemblée, n'importe côté un groupe moun réuni yo capable reler l'église. La paix bon Dieu. Amen. Merci. N'importe côté un groupe moun réuni yo capable reler l'église parce que l'église veut dire tout simplement assemblée. Donc les moun zou an a l'église. L'église doit c'est nos réunions politiques les menon. L'église doit tout menon nos péristyle côté deux trois moun réuni à tracer veve parce que l'église en a l'église. Parce que l'église veut dire assemblée, tout côté go assemblée, tout côté gen moun qui réuni, yo dit c'est l'église. Alors ou même sou konnen bien les moun nan di on a l'église, première question pour poser qui l'église? La paix bon Dieu. Amen. Parce que nous dit l'église veut dire assemblée, tout côté moun réuni, c'est l'église. Mais ça quoi fait différence, c'est qui l'église ou pralé. C'est qui l'église ou invité, non qui l'église ou pas menem. C'est ça qui est important. Parce que l'église, il y a un nom. Il y a l'église qui est l'église adventiste. Il y a l'église qui est l'église pentecôtiste. Il y a l'église qui est l'église baptiste. Il y a l'église qui est l'église méthodiste. Il y a l'église qui est l'église apocalypse. L'église, il n'y a pas quatre noms. Donc, il est très important. Matin, hein, le monde ou l'église, première question pour poser mon nom, de qui l'église vous parlez? Parce que l'église veut dire assemblée. Donc si mon nom dit, on a l'église avec moi, et puis où il va, c'est non péristyle, les menèrent. Et puis là, il vous dit, mais quand on menèrent là, ils sont l'église, parce que l'église veut dire assemblée. Tout côté mon assemblée, c'est l'église. Mais quand il y a ou même, c'est pour moi de mon nom, qui l'église vous menèrent. Et nous prenons le pouvoir à travers toute la Bible. Il n'y a pas dit l'église seulement. Là, on finit l'église, il y a ajouté le bagage pour faire connaître l'église. La paix, mon Dieu, avant. Si c'est comme ça, vous êtes amené de n'importe côté. Frère, je suis invité à l'église. Je suis bien content. C'est qui l'église? Est-ce que c'est l'église baptiste? Est-ce que c'est l'église pentecôtiste? Est-ce que c'est l'église adventiste? Est-ce que c'est l'église méthodiste? Il faut demander qui l'église? Donc, l'église sorti dans le latin pour arriver dans le grec, il signifie assemblée. Mais, bon bagay, qui frappe attention pendant ma préparer l'étude là, David dit un bagay. Parce que lorsque chrétien est dans l'église, ou content, parce que c'est là où on parle pas son bon moment. Et m'a dit ça franchement. Puis bon moment, je n'ai jamais passé dans la vie, c'est dans l'église. Je me rencontre avec des frères et sœurs, des croyants qui partagent la même foi avec moi, qui croient dans la même bagaille, qui ont la même espérance. C'est là que je passe le plus bon moment dans la vie. Mais David prend un bagaille, je me demande comment se mettre la Bible à la main, parce que c'est l'étude qu'on a fait, donc on est avec l'étude, parce que je t'ai toujours demandé, il faut que la Bible soit prête. Maintenant, regardez pour nous ça, David dit, dans le psaume 122. Et pour montrer que
Là on parle dans Bible dit l'église, je pas dit l'église seulement, mais on dit qui l'église, l'église là. Parce que tellement que l'église, que l'église qui peut être portée même non Jésus-Christ, mais qui parle l'église de Jésus-Christ. Psaume 122. Qui ça David dit? Dans Psaume 122. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est quoi ça la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, c'est l'église de l'Éternel. Mbagou, vous savez, tout à l'heure. David pas dit seulement que je suis dans la joie quand on me dit allons à l'église. Mais il prend toute précision pour il prend toute précaution pour le préciser que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est pas à ma maison, c'est pas à votre maison, mais c'est à la maison de l'Éternel. Parce que David t'a réalisé que la caille, mon Dieu, gain joie, gain paix, gain bonheur, gain même guérison pour maladie, gain même solution pour problème. Donc David dit dans Psaume 122, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc il pas dit à l'église, et moi dit bien que allons à la maison de l'Éternel veut dire que allons à l'église. Allons continuer. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. On a regardé pour nous, est-ce que c'est l'église tout simple ou bien l'église? Qui est-ce l'église là? Qui ça l'est? Qui l'église? 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. Parce que les gens sont tellement habitués à répéter, ils n'ont pas tenu compte que nous répétons mal, ils sont dangers et ils sont pièges tout. Parce que si on invite au lit, on a l'église, ou pas poser la question qui l'église, ils n'ont n'importe côté. Depuis que les gens qui sont assemblés, ensemble, c'est l'église. Donc, il faut prendre précaution pour demander mon nom. Est-ce que c'est la maison de l'Éternel? Même Jean-David a écrit dans le psaume 122, le verset 1er. Ou bien, côté nous praler. On a gardé encore dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15, pour nous voir qui ça le dit. Et pour nous capables de comprendre bien, on a lit à partir du verset 14. Ça, c'est Paul qui a parlé. Il dit, je t'écris, il a parlé avec Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vous voir. Verset 15, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui ça David te dit? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais qu'on y a là, mais Paul s'adressant à Timothée, lui dit, mais si je tarde, il promet Timothée la visiter, mais il dit, si tu prends le temps pour me venir, tu sauras comment il faut conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Alors, maison David t'a parlé, hein, dans Psaume 122, c'est l'église du Dieu vivant. Alors, quel homme d'eau pour aller à l'église, c'est pour me dire dans quelle église me parler. Est-ce que c'est l'église de Satan? Est-ce que c'est l'église du Dieu vivant? Est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'église de l'Éternel désormais? Faut qu'on ait l'église au bralé. Et puis, Paul continue pour dire la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire dans l'église, gagner vérité. Sous ta rive côté, où il y a bas enseigné mensonge. Où est-ce fausse doctrine, dit ça, pas l'église. Ou bien si l'église, il n'est pas l'église, bon Dieu. Est-ce que nous l'avons? Si nous l'avons, on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Thank you. N'a continué. Donc, on va aller dans Romains. Romains, le chapitre 16. M'a pas ou quelques textes bibliques. M'a pas ou m'a pile dans la Bible pour montrer que l'église, pas aussi l'église simple, mais faut dire qui l'église. Et pour parler de l'église, qui l'église liée? Si mon nom d'où l'église seulement, c'est pour moi de mon nom qui l'église va parler. Romains, chapitre 16. Le verset 16, pas oublier, nous toujours dans l'enlèvement de l'église, mais nous voulons parler un peu de l'église. Matin. Dans Romains chapitre 16, le verset 16, mais ça nous lit. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises de Christ vous saluent. Paul prend le soin
pour ne pas dire toutes les églises vous saluent, mais il dit toutes les églises de Christ vous saluent. Ça fait nous environ 1, 2, 3 exemples. On nous regarde encore dans Romains chapitre 16, verset 5. Salut, salut aussi l'église qui est dans leur maison. Salut Épaphrodite, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Ah, l'église, salut l'église qui l'a carré, mais bien-aimé en Christ. Et que s'il a parlé l'église qui l'a carré, mais bien-aimé, c'est l'église de Christ. Et n'a plus un dernier texte, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 2. 1 Corinthiens 1er, verset 2. Nous prenons le soin pour nous ce matin parce que l'autant de l'église était tout chaud. C'est pourquoi tu es tout chaud, c'est pour nous qui l'église. Et non seulement au fin de nous, l'église, non, l'arrivée, il faut observer. Parce que l'église, il faut prendre au libre sous nom Jésus-Christ. L'église, il faut prendre au libre sous nom Dieu. Ou bien, nous avons l'église avec belle enseigne. Il y a écrit l'église de Jésus-Christ. L'église par la foi. L'église apostolique par la foi. L'église de Dieu. L'église de la nouvelle naissance. L'église des croyants en Jésus-Christ. Ou pas qu'être nous. Donc, ce n'est pas nous hein, qui vraiment fait l'église. Non? Ok? Nous, on est capable de dire, mais qui l'église dit. Mais l'on entre dedans, tout forçons de nous. La paix, bon Dieu. Mm-hmm. L'on finit entre dedans, on dit ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et il faut qu'on dise. L'église de Jésus-Christ a qui vient appartenir que la parole de Jésus-Christ a prêché, m'attendre les montrer en dedans puisque c'est l'église de Jésus-Christ pour moi il y a parlé bagage qui concerne Jésus-Christ. Moi songé une fois ça a des années passées et puis porte qui m'a frappé et puis moi deux jeunes garçons bien habillés, chemise blanche et puis belle cravate et puis un bon badge qui attaché sous poitrine sous chemise là. Et puis il dit, il écrit Jésus-Christ. Attendez bien. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Ça c'est vrai, tout le monde connaît. Ce n'est pas parce qu'on est habillé en moine qu'il faut moine. Parce qu'il y a des Haïtiens qui s'habillent comme des Africains. Il y a des Haïtiens qui s'habillent comme des Indiens. Mais ils ne sont pas vraiment des Indiens. Donc l'habit ne fait pas le moine. Mais cependant, il dit, bien que l'habit ne fasse pas le moine, mais l'habit aide à identifier un moine. Alors, quand il y a l'offre, nous avons habillé à ce monde, non? Les deux, c'est un Africain lié? Ok, habit a dit, ah, monsieur, mais tel habit est un Africain. Quand on prend, vérifie si c'est Africain, c'est ça qui parle sur ton bouche. Est-ce que son Africain parle? Parce que quand l'Africain a un accent, il y a une langue par yo. Ok, c'est vrai qu'il a dit, ah non, ça c'est Africain. Parce que non seulement l'habillé comme Africain, mais langage, c'est africain. Il n'y a pas quelques noirs qui semblaient. Il y a des gens qui sont américains noirs, il y a des gens qui sont américains, il y a des gens qui sont africains. Mais là, on va bouchou pour dire du rap pour griot, dit non, ça sont ici. Parce que ça, c'est seulement quand on est du rap pour coller griot, tasso, ça c'est langage, pas. Donc, non seulement habit, hein, vindu, mais qui est ce qu'on a aimé, ça n'a pas suffi, il faut connaître, non, bagay là, dans sa capsule de bouche, non, dans pratique que l'a fait de tous les jours, réaction, interaction. Est-ce que vraiment ces personnes, moun sa yé, qui raglimete a ta dit que lié? Et puis, c'est ainsi que, monsieur, frappé la kamé, deux jeunes garçons, alors bien entendu, c'était coquet jeune yoye, m'en pas dit blanc, parce que m'en pas yon moun qui blanc, ou te gen couleur coquet jeune, j'ai vêt ou bien ne pointu, et puis là, on frappé, et puis là, moi, Jésus-Christ, qui m'en content. Parce que laisse ça me dit en dedans, me dit bon, on va passer un moment monsieur pour m'étudier Bible. Et puis quand il y allait n'y rentré, comme moi dit ou moi dans bas Dieu qui écrit Jésus-Christ. Depuis moi Jésus-Christ mes amis, c'est mon sauveur, c'est mon grand frère, c'est mon co-héritier. C'est mon maître, mon ami. Me dit bon, non bol moi et pourtant c'était badge de Jésus-Christ mais qui ça monsieur vient présenter c'est John Smith. John Smith dans son prophète, c'est là dans le coin. OK? So yo vini sous nom Jésus-Christ mais c'est John Smith là. Que yo vini prêcher. Et puis même quand t'aime réaliser ça, me dit monsieur, désolé. John Smith pas mourir pour moi.
John Smith pas la ville pour moi souvle parler de non ça qui dans badge Jésus-Christ de Nazareth. Et puis nous te fait monsieur qui te cala. Yeah, parce que sous qu'on est un monde vini la car. Il vient parler en l'autre bagaille autre que Jésus-Christ de Nazareth ou recevoir ou péché. Ou pas supposé recevoir. C'est pour venir parler de Jésus de Nazareth, mais s'il a parlé de Pierre, de Jean, de Jacques ou pas au capitaine de parler de Moussa pour connaître qui est chuté, mais parler du salut que c'est Moussa pour me suivre pour me la vie éternelle. La Bible fait connait que pas gain salut dans l'autre nom, sinon que dans le nom de Jésus, de Jésus-Christ. Donc dernier texte nous gagné, c'est dans 1 Corinthiens le chapitre 1er le verset 2. Mais qui ça le dit? Paul encore parlé dans le verset 1er, il dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, le verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il pas dit à l'église qui est à Corinthe, mais à l'église de Dieu. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Pour la saluer, Mounio, mais à l'église de Dieu. Ok. Là, je pense que nous plus ou moins confortables pour nous comprendre que l'homme a parlé de l'église. Première question pour nous poser maintenant, de qui l'église va parler. Vraiment, on a visité l'église ou avec nous. Qui l'église, l'église? Il faut qu'on ait l'église. Non? Et l'offre qu'on ait l'église, non? Rentrer dans l'église, non? Qui est adoration? Qui est-ce adoré? Qui cantique chanter? Qui étudie fait? De qui est-ce parler? Est-ce que c'est la Bible utilisée ou bien c'est le livre paio? Est-ce que c'est bagaille personnelle, opinion personnelle, philosophie personnelle, connaissance personnelle ou bien est-ce que c'est la Bible qui a parlé? Faut capable d'identifier tout bagaille. Sinon, ou capable non secte ou apévolue pour moi connaître c'est quoi? Ou capable parmi maçon loge ou pas connaître? Ou capable parmi les occultistes ou pas connaître? Ou capable parmi osicriciens ou pas connaître? Donc faut qu'on ait mandé qui l'église, qui assemblée liée. Assemblée de Dieu, assemblée de Jésus-Christ, oh béni soit l'Éternel. Mais les montrés, ça cap bayo faut un rapport avec bon Dieu. Les montrés, ça cap bayo faut un rapport avec Jésus-Christ puisque c'est l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Dieu. Merci. Donc c'est ça l'église. Well, mais qu'on y a là, si l'église veut dire assemblée frère Maximio, ça que depuis longtemps est l'église. L'église pas vini seulement avec le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Non. L'église était là avant. Parce que dit l'église veut dire assemblée. Parce que dans le temps passé, monsieur était qu'on réunit ensemble. Les prophètes. Ok? Les sacrificateurs. Les rois. Les juges. Les grands hommes de Dieu étaient qu'on réunit en famille. Ils étaient qu'on a fait service. Mais l'église, ça, il n'y a pas de l'église de Jésus-Christ. Ah, faut bien comprendre. Malgré que vous êtes réunis, vous n'avez pas adoré bon Dieu, mais l'église n'a pas jamais porté nom l'église de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ peut qu'on mourir. Il peut qu'on vienne défendre l'église. Car Jésus-Christ est le fondateur de son église. C'est ça qui fait moi j'ai un problème avec l'aime passé devant l'église. Et puis moi, je mettais fondateur à ce nom en homme. Je pense que ça, c'est une ignorance. Et mon capitaine de m'a souhaité que yo travaille sur ça. Pas grand qu'un monde qui fonde l'église, c'est Jésus-Christ qui fonde l'église. Et pasteur qu'on a écrit non, il dit c'est lui qui fonde l'église. À ceux qui sont fondés l'église, qui sont yé. Je pense que c'est ignorance. Et c'est pour monsieur aussi qu'on a écrit non, yo, pour yo dire c'est yo qui fonde l'église. L'église est fondée par Jésus-Christ. On a lu le texte avec moi dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, n'a plus à partir du verset 13, rivé jusqu'au verset 18. Nous allons nous montrer intérêt. C'est ça qui est important pour nous connaître. Donc, nous dit que dans les temps anciens, c'était toujours l'église, mais ce n'est pas déjà l'église de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ peut convenir lui-même fonder l'église. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Il dit comme ça que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda
à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Jésus-Christ arrivait en côté, pendant là avec disciples, et puis il posait monsieur une question. Il dit, qui est-ce mieux, d'après un peu le monde? Moi-même, petit homme, non. Mais quel problème là? Pendant Jésus-Christ m'a dit, je ne sais pas si des textes avec attention, pendant Jésus-Christ dit, mais monsieur, qui est-ce moi d'après un pile monde? Et après Jésus-Christ dit comme ça, le fils de l'homme. Moi-même, si je me dis, tu es le fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ finit de poser une question, il dit comme ça, qui est-ce moi d'après ça, mon dit, moi-même qui c'est le fils de l'homme. Parce que si tu es le fils de l'homme, moi-même d'après, on dit, mais tu es le fils de l'homme. C'est pas ça Jésus-Christ a cherché. Parce que monsieur, tu connais que Jésus-Christ fait de Marie. Et Joseph, c'était papa adoptif. Est-ce que nous là? Vous savez que s'il confirme, il dit que ça, le fils de l'homme, ça qu'il connaît, monsieur. Il pose une question que n'est-ce pas qu'il y a une réponse. Attendez bien, on continue à lire. Dans verset 14, là, il répondit, ça c'est monsieur, les disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Mais sa disciple dit, ah, mais là, il y a plein de monde qui dit c'est ou même Jean-Baptiste. Là. Les autres, Élie. Il dit, mettre là, dans pile monde qui dit c'est Élie. Les autres, Jérémie. Mettre là, dans pile monde qui dit c'est Jérémie. Et le ou le des prophètes, il dit c'est un prophète. Jusqu'à présent, il y a des gens qui dit Jésus-Christ est un gros prophète, il n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ entend tout ça. Monsieur dit, mais ça, mon dit de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas jamais dit, même ça, ça reconnaît de Jésus-Christ. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ, ouais, monsieur a baillé réponse l'autre monde, baillé, mais n'est-ce pas, j'aime pas propre réponse. Il dit, Jésus-Christ, mais nous-mêmes, c'est qui est-ce qu'on dit mieux? Wow! Non, si on pas marche au monde, il faut qu'on puisse dire. Monsieur a marché à Jésus-Christ, il dit, j'aime mon Jésus-Christ. Et puis, mais ça répond. Il dit, Simon Pierre répondit, donc on dit Simon, pas vrai? Le fils de Jonas. Simon. Donc on dit Simon Pierre, très bien, ouais? Ok. C'est Simon qui était. Il y en a trois qui étaient toujours avec Jésus. Simon, Jacques et Jean. Ce n'est pas Pierre tout qui était râlé, pelli, coupé, oreilles, servité à Malchus. C'est Simon, c'est Pierre ça. Ce n'est pas monsieur tout qui est venu réunir Jésus-Christ. Ok, c'est de lui. Il me dit ça pour me choquer qu'on ne qu'il soit pas lui. Il dit comme ça que Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Ah, ça a son révélation. Monsieur, pas passé, je passe à côté. Pas de monde de Jésus-Christ. Il dit, le fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit, le fils de l'homme. Mais Pierre ajoutait, il dit, tu es le Christ. Ça veut dire le sauveur. Le sauveur du monde, le libérateur, le rédempteur. C'est ça, Christ voulait dire. Sauveur, libérateur, rédempteur. Il dit, le fils du Dieu vivant. Non seulement où c'est Christ là, mais où c'est petit bon Dieu vivant. Jésus-Christ répond, il dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela. Il dit, waouh, Pierre, regardez qui sont heureux, hein, petit Jonas. Ce n'est pas chair avec sang qui révèle aux paroles, ça, il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, hein, parole, ça aussi, moi, je la connais. Même sous ta. Puis intelligent pour la parole, ça pour t'a dit, moi même je suis le Christ et je suis le fils du Dieu vivant. Il dit, parole ça, c'est papa m'en se lak metel nan cœur pour dire. Et puis même côté ya, tandis ça Jésus Christ dit, dans verset 18 là, il dit, et moi ça c'est Jésus Christ, c'est pas moi même, c'est pas ni évêque yo, c'est pas ni pasteur yo, c'est pas ni bishop yo, mais ça Jésus Christ. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Regardez Pierre ça, il écrit avec P majuscule, il parle avec Pierre, Simon Pierre. Il dit, moi-même, moi, je dis Pierre. Et que sur cette pierre, Pierre, ça, c'est P minuscule, qui signifie roche. Ou bien, il t'a dit, sur ce roc, R-O-C, il dit, je bâtirai mon église. Ah, voici le bâtisseur de l'église, voici le fondateur de l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit, fondateur de l'église, là, c'est Pierre Jean-Jacques. Fondateur de l'église, là, c'est pasteur, petit homme bien-aimé. Non. Fondateur de l'église, c'est Jésus, Jésus-Christ. Donc, on toujours un problème avec ça, on passe devant l'église, dans cette église, moi, on mettait fondateur. Et puis, on mettait non, yon nom, baron de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le fondateur lui-même de son église.
Et il dit comme ça que, et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est un jeu de mots, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Dans l'étude, notre affaire nous dit, le séjour des morts, c'est l'enfer. Ces jours des morts, c'est quand les mounio mourir avant et aller dans la destination finale, qui c'est l'étang de feu, c'est là où ils étaient. Moun qui pas sauvé, ils ont commencé à rentrer dans la souffrance. Ok? Ils ont commencé à rentrer dans le graissement de dents, dans la douleur, dans le séjour des morts. On va retourner sous l'île, sous ta rémen, qu'on est plus retourné dans l'étude que nous fait dimanche passé. Hein? Et après, nous te dit, gagné combien l'enfer qui gagne. Même le séjour des morts pour l'entrer dans l'enfer, parce que ces jours des morts sont l'enfer passager, lui. Mais il vient pour l'entrer dans le temps des faits qui sont l'enfer éternel. Donc, Jésus-Christ fait une promesse là. Il dit Pierre, ou c'est roche. Mais qui est le roc solide? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roc et le rocher des siècles. C'est lui la pierre angulaire. Cornerstone. C'est lui-même. C'est sous l'église à bâtir. Mais il prend Pierre comme un symbole. Il dit c'est Pierre sous Wassa, qui c'est Jésus-Christ. Parce que Pierre, pour dire pour humain, Pierre c'est cher accent avec Zoli qui est dans lui. Il n'y a pas qu'à bâtir l'église sous Pierre. Et si on débattit l'église sous Pierre, tout le monde avec le pas là. Parce que Pierre devant, Pierre prend le prendre Pierre, Satan utilise Pierre. Sous ta garde pour vous, dans le même chapitre là, dans Matthieu chapitre 16, le verset 21 par exemple, quand Jésus-Christ commençait à annoncer à disciples qu'il prend à Jérusalem, faut la souffrir pour la mourir. OK? Et puis Pierre et puis il dit qu'il pour ressusciter troisième jour. Et puis dans verset 22, Pierre dit comme ça, Léon prit à part se mit à le reprendre. Pierre oui, le Jésus-Christ annonce qu'il va mourir, Pierre prend Jésus-Christ à deux. Autant de ça Jésus dit comme ça, à Dieu ne plaise. Ça veut dire que Jésus-Christ dit Jésus, bon Dieu pas quitter bail ça arriver pour ta mourir. T'entends bien oui? Pierre tellement aimé Jésus, il n'a pas aimé Jésus-Christ mourir, tandis que Jésus-Christ vient pour le mourir pour Pierre salut éternel. Et puis Pierre prend Jésus-Christ à deux, il dit à Dieu ne plaise. Il dit côté bah ça, mon Dieu pas quitter le rivet. Jésus-Christ qui connaît qu'elle vient pour le mourir, car son mission qu'elle doit accomplir. Et puis mais qui j'en répond Pierre. Il dit Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça y est Pierre. Il dit ça va pas mourir pour ta mourir. Et puis dans verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Aïe, aïe, aïe. Mais Pierre, oui, qui saute par révélation. Frère Maxime, faut prendre pile précaution. Faut prendre pile précaution. Même Jean, bon Dieu utilise ou Satan qui a utilisé tout. Ça parle de pendant qui condition y est. Bon Dieu fin par révélation à Pierre que personne ne connaît. Les Jésus qui s'appelle qui est signé, personne ne connaît. Pierre paraît, Pierre dit comme ça, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais qu'on y est, Jésus qui s'est annoncé la mort, qu'elle vinil pas qu'à empêcher le mourir, car c'était la volonté de Dieu. Pendant trois fois, Jésus-Christ qui veut lui dire, Père, s'il est de ta volonté que cette coupe s'éloigne de moi. Pendant trois fois, on peut comprendre que Jésus-Christ, Dieu, font prière pendant trois fois. Et puis, papa, pas répondre ni. Et puis, il dit, mais toutefois, ce n'est pas volonté, pas, mais c'est volonté, pas. Vous savez que ce n'est pas volonté Jésus-Christ qui t'a fait, c'est volonté. Bon Dieu, dans celle-là, pour Jésus-Christ est venu mourir pour le péché de l'humanité. Et puis, même Pierre passé à côté, il dit, Jésus-Christ, on pas besoin de battre tout problème, ça va priver, on va mourir. Et puis Jésus-Christ identifie que c'est Satan qui passe par Pierre. Et puis lui, ouais, Pierre, il garde Pierre, il identifie Pierre comme Satan. Il dit, retire-toi de moi, Satan. Vous comprenez que Jésus-Christ a parlé à Pierre, il a traité Pierre de Satan. Parce que Satan utilisé, Satan est en dedans. Et puis il dit comme ça, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit Pierre, soit pas là, on va prendre une pensée, bon Dieu, pas pensée pas, ou pas même qu'on soit pas là. Donc, Jésus-Christ fait une prophétie sous Pierre, qui en pile monde peut-être qu'a du mal pour comprendre. Il dit Pierre, ou c'est Pierre? Mais sous roche, ça m'a bâti l'église, moi, même pas de séjour des morts, pas capable de détruire l'église. C'est pour une raison, et même sous l'église en deuil, même sous l'église pas réunie, l'église de Jésus-Christ pas capable de détruire. Parce que pour mes statistiques en fait, il dit comme ça que même les portes du séjour des morts. Donc les portes du séjour des morts, c'est la mort. Ok, mais vous comprenez maintenant, les portes du séjour des morts, c'est la mort. Et notez, lit très bien dans l'étude précédente, que la mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. Et même si tu as donné un pack l'estomac, depuis qu'il revient devant la mort, il est kaba.
Ça, c'est bagaille nous qui a prouvé. La caille nous, nos amis taille nous, tout côté nous passé. L'an mort mette frein à tout le monde. Même si on a battu l'estomac, il comprend, il s'est gossé, il a l'argent, il comprend, il est arrogant. Depuis l'an mort, vini tout le monde chapeau, chapeau bas. Donc l'an mort, c'est le plus gros ennemi et ses derniers ennemis, yon homme. Donc, la Bible fait qu'on est que, même l'an mort que tout le monde paie, pas capable de pouvoir sous l'église la partie. Ok, so now, prophétie en fait, sous Pierre, en regardant qu'on y a dans l'acte des apôtres, le chapitre 2. Acte des apôtres, le chapitre 2. Le verset 1er, verset 2, il dit comme ça, le jour, acte des apôtres 2, acte des apôtres chapitre 2, verset 1 et 2, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, qui est ça, les disciples, dans le même lieu, ils étaient réunis même côté. Attendez bien. Les disciples se réunissaient ensemble dans le même endroit. Le verset 2, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétué. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, un vent vini, un gros vent, et puis il remplit toute la maison. C'était l'arrivée du Saint-Esprit. Ok? So now, les gens étaient réunis, ça c'est l'église, l'assemblée, les disciples. L'église a commencé là, le jour de la Pentecôte. Mais il y a un miracle qui peut le faire. Dans Acte des Apôtres, le chapitre 2, encore le verset 38 à 47. Pardon, ça va dire qu'il y a une pile valeur qui tes oreilles ou l'ouvrir, je vais caler pour t'en dire. Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38 à 47. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Nous appelons jusqu'à verset 47. Nous capables de camper là. Donc ça veut dire que ça me plaît fort, ouais, dans le texte, c'est que l'église vient d'augmenter. Disciples réunis d'abord, en commun accord, dans le même endroit, ils ont prié, cet esprit descend, et puis monsieur a commencé à parler en langue, c'est là. Et puis quand il y a monde qui était là, sorti dans diverses nations, différents lieux, et puis qu'on y a attendu monsieur, ou même baptisé monsieur de monde qui boit avec les sous. Et puis là, on commence à jouer avec monsieur Paul Campé, Paul font discours, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, bien entendu, pas oublier, promesse à tes fêtes Pierre, Pierre, tu as Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Avec le discours de Pierre, 3000 noms environ, les capables plus, pour ajouter dans l'église. L'église de Jésus-Christ. 3000 noms. So, mais qui compte l'église a commencé?
Alors nous parlons de l'église là, parce que l'église a un côté commencé, un côté elle continue et un côté elle fini. Parce que pour nous parler de l'enlèvement de l'église, il faut nous dire côté l'église a sorti. L'église sorti dans bon, dans Jésus-Christ. Jésus-Christ fondait l'église. Ok? L'église commence à multiplier, enseignement fait, l'église commence à prendre extension, l'église fait la caille moun, ok? Commence la caille moun, des fois yo réunis ensemble. Donc l'église a fait ça a été pour faire pour mener nom by Christ. Now, quand hier l'église a fonctionné, même j'en ai même en tant que l'église a fonctionné, mais l'église est pour l'enlever, ça c'est sûr. Dans 1 Thessaloniciens, nous sortons dans l'essence de l'église, nous rentrons dans l'augmentation de l'église, quand hier l'église pour arriver à un côté pour sortir sous terre. Ah, trois étapes ça y est, pour nous connaître, au côté l'église sortie, dans l'essence de l'église, l'évolution ou augmentation de l'église, et puis ensuite l'enlèvement de l'église. L'église n'est pour quitter terre. Nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, verset 17. Alors, on a parlé de l'enlèvement de l'église, ce n'est pas une histoire nous inventée. Même Jean Timoun fait, les vivent, les gens pour quitter terre, mais l'église te prend naissance. L'église vive. L'église gagne un jour pour quitter terre. Donc, mettre l'église à venir chercher l'église. Amen. Et quand on parle de là, ce n'est pas pour faire qu'on saute, mais son réalité, on a besoin d'embrasser pour capable vivre mieux pour la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15, 16 et 17. Il dit comme ça que voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Moun ki mouri déjà yo, nous pas devancer yo. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'église a quitté terre. Et nous avons le texte qu'on a 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Mais quand l'église sortit, mais qui évolue l'église? L'église vient pour quitter terre. Quand vous voulez qu'on parle, l'église vient pour le bas? L'église est pour le parti. Et moi-même, avec ou pas qu'à empêcher, non pas qu'à retarder, l'église est pour le parti. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 et 52. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. L'église vient pour transformer. Et qu'on y a là la question, la grande question et la question la plus importante à nous poser ce matin, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Qui l'a ça fait? Qui l'a l'église à enlever? Well, qui t'aime parler un peu d'un jeune homme qui mourit pas longtemps, que peut-être vous capable d'entendre déjà, c'est Brother Howell Camping. Monsieur soit américain. Monsieur fait mon coin dans une zone qui est le Boulder, Colorado. Et monsieur fait le 19 juillet 1921, Brother Camping, tout le monde est capable de parler de Brother Camping, monsieur était président, manager, on a dit PDG. PDG, c'est président directeur général, radio. Station radio, ça c'était 94.7. Monsieur était fait pile étude à Howell Camping. Et alors, tout nos monsieur, c'est Howell Egbert. Camping, mais souvent il est monsieur Brother Camping. Eh bien, monsieur, pendant 12 fois,
li annonce événement ça. Pour qu'on ait événement lié, retour de Jésus-Christ pendant 12 fois. Pendant 12 fois, Bwana Kempin a annoncé que Jésus-Christ a venu. Et dans 12 fois, gon fois qui était plus terrible, c'était 21 mai. C'était le 21 mai 2011. Moi-même, j'étais témoin. Le 21 mai 2011, monsieur a annoncé, parce que ça a choqué le monde. Et me songe, nous avons un événement à Fofrit, sous songe, dans l'Inden. C'était le premier événement nous depuis nous existé comme l'église. Et le 22 mai 2011. Et puis, ça a été choquant, tout le monde paniqué, parce que Jésus-Christ pral retourner le 21 mai 2011. Et en février 2011, nous étions en Haïti. Pendant que sur route nationale, m'a plongé pour malgré naïve. Et puis mon paquet enseigne, gros enseigne, qui marquait clairement noir sur blanc, 21 mai 2011, c'est la fin du monde, Jésus-Christ a tourné. Et monsieur, quand on recevait une pile de donations, tout le monde qui était avec monsieur, le monde qui était suivi, monsieur dépensait près de 100 millions de dollars pour faire campagne ça, à travers le monde entier, pour faire connaître que Jésus-Christ a tourné, mais 21 mai. Mais forme de ça, ce n'est pas la première fois le faire. Et première fois, monsieur était annoncé, en forme de sa tour, monsieur, son nek qui très brillant, son nek qui quittait Colorado, li move, California. Et puis, monsieur à l'école, monsieur était vraiment gradué en 1942 avec un pile honneur. Et monsieur était un bachelor degré dans ingénieur civil. Bada Kempin, monsieur était gradué avec un bachelor degré dans ingénieur civil. Et monsieur était venu en compagnie de construction. OK? Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, monsieur était un problème que Bwana Kempin. Ça m'a parlé là. Et puis monsieur était venu quitter construction. Il était venu vendre compagnie. OK? Monsieur était venu vendre compagnie. Et puis qu'on y a, monsieur était joint en l'église qui était relée l'église chrétienne réformée. Et c'est monsieur était considéré monsieur comme un ancien parce que monsieur était âgé pour être un ancien de l'église. Et monsieur qu'on a pas essayé la Bible tout. So, là monsieur commencé à annoncer vini Jésus-Christ, Jésus-Christ pas jamais vini qu'on y a là, yo fait monsieur pas enseigner l'église encore. Yo stoppé monsieur dit monsieur non, ou pas qu'à faire bagaille comme ça parce que la Bible dans Deutéronome fait connait que tout monde qui dit un bagaille, tout prophète qui annonce un bagaille qui pas jamais vaut son un faux prophète. Pour la première fois, Bwana Kempin a annoncé que Jésus-Christ a tourné, c'était en 1978. Ça n'a pas jamais eu. Il fait, ça n'a pas jamais eu. Chaque fois qu'il fait, il vient avec une excuse. Donc, quand il y a l'église côté monsieur Théa, il fait monsieur ça, c'est quitter l'église. Et pendant que monsieur a quitté l'église, il faut très prudent. Il faut très prudent. Ou pas suivre le monde. Pendant que monsieur a quitté l'église, qui ça monsieur fait? Monsieur tout dit consacré qu'on y a l'église. L'âge de l'église pas existe encore. L'église enlevée déjà. Parce que c'est Satan qui te convainc. C'est Satan qui a dirigé l'église. On ne parle pas qu'une l'église qui c'est l'église, mon Dieu. Parce que monsieur pas l'église encore. C'est qu'on y a monsieur qui travaille full time, à plein temps, dans une station radio. Une station qui était très écoutée, qui était environ 140 stations. Ça nous les family radio. Les bagailles qui sont bon pour vous, il faut connaître ces informations. Et puis c'est pour ça que monsieur est allé sur tout le monde là. Ce n'est pas qu'on est dans des familles radio, jusqu'à présent, il y a des gens qui se dissipent, malgré M. Mouy. M. Mouy a 92 ans. Quelques années de cela, M. était fait un minor stroke, la Kylie, et peu de temps après, nous croyons M. Mouy, on petit crasse après le final, c'est 22 mai, que Jésus qui s'abtenait, Jésus qui s'abtenait le 22 mai, et puis M. vient fait un petit stroke, et puis M. Mouy. Et jusqu'à présent, par la voix là, Jésus qui s'abtenait, jamais tourner. Qui ça fait mine avec Bwana Kempin? Il y a un pilote qui était fait, mais Bwana Kempin était very well known predicting that Jesus Christ would come back. C'était un monde qui était très connu parce que la radio était très écouté. C'est Bwana Kempin qui fait étude toute journée, on a posé question, c'était une plateforme, c'était un forum, tout le monde venait poser question, quelle que soit question, monsieur là pour répondre. Donc en pile tentative, monsieur a annoncé venu Jésus-Christ, ça n'a pas jamais fait. Alors qu'on y a là, on a regardé ça le dit.
Parce que faut qu'on Bible pour pas prendre. Si mon yote croit dans la parole de Dieu, les première fois Brother King en 1978, monsieur t'a annoncé que Jésus-Christ va venir, c'est pour mon yote quitter monsieur pour contre. Parce que ça c'est menteur, carré barré, parce que la Bible dit pas qu'il y a monde qui connaît. On nous garder avec moi dans Matthieu 24. Matthieu 24. Bon, toute histoire de Brother Kemping, parce que c'est monsieur qui a dit Jésus qui a venu pendant plusieurs fois, 12 fois. Il y a une page qui a dernière fois, il a fait pile écho, monsieur a dépensé pile l'argent, fait un pile propagande, pile campagne pour dire Jésus qui a venu, mais il est arrivé même juste à Haïti. Haïti, qui est un pays qui est censé reculer. Nous connaissons l'autre pays, au Canada, la France, l'Angleterre, la Chine, le Japon, les États-Unis. Mais Haïti, côté le caché, côté le là, mais là, comme je viens de prendre 4 sur toute la route nationale, numéro 1. Côté, il dit Jésus-Christ a tourné le 21 mai 2011. Peut-être 2011, ça a pourquoi j'aime venir, le pape j'aime venir parce que pas de monde qui a compris ça. Matthieu 24. Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Napli, verset 36 à 44. J'espère que ce dernier texte Napli pour ne pas déborder trop. Verset 34 à 40, 36 à 44, Matthieu 24. Pour ce qui concerne du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça a parlé de disciples qui ont approché pour Jésus. Il dit Jésus, mais qui les bagages sont privés? Avènement, qui les a venus? Qui l'aura retourné? Jésus qui a précisé pour monsieur, il dit monsieur, dans ça concerne l'heure avec joie, pas de monde qui connaît baga ça, mais pourtant nous avons un Brother Kemping qui connaît. Après, bonjour à vous. Jésus-Christ dit pas de monde qui connaît Brother Kemping pendant 12 fois. Et ma douce, c'est à. Anyway, pas de c'est à parce que pas de bien arrivé. Bon Dieu, pas de bagage pour le mentir, car Dieu n'est pas un menteur. Mais Brother Kemping était passé, comme il n'est plus maintenant, il était passé pendant plusieurs fois comme un menteur. Puisque pendant plusieurs fois, il avait prédit le retour de Jésus-Christ, et ça n'était jamais possible. On continue pour lire verset 37, pas oublier Matthieu 24. Ce qui arrivera du temps de Noé, maintenant, je vais prêter attention parce que c'est important pour les gens qui comprennent que retour Jésus-Christ pour venir chercher l'église, son bagage qui prend 20 000 ans encore. Non, mon bagage, je dois la femme d'allemand prêter attention, soutenir avec. Je dis que ça, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, là par les côtés, les Noé était annoncé que après déluge, mon pas quoi? M'a prêché là, me dit Jésus-Christ a tourné. Combien monde dit quoi? Je dis ah depuis le grand papa me dit là, bah elle a passé longtemps. Well, mais du temps de Noé, la même chose s'était passée. Noé parlait pendant des années, il va arriver ou pas quoi? Mais ça la Bible dit non, Matthieu 24. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui sont-ils encore? Alors, t'as bien vu? De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, mes bien-aimés frères, je m'adresse maintenant à vous, mes frères et sœurs, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frère Maxime, c'est une réalité et c'est une vérité absolue. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à retrancher en ce qui a trait au retour de Jésus-Christ. En ce qui a trait à l'enlèvement de l'église. Et, pour finir, mes bien-aimés frères et sœurs, on continuera la semaine prochaine, ou dimanche prochain, avec l'étude de l'enlèvement.
Et on aura parlé sur ce qui va se passer après l'enlèvement. Parce que vous connaissez, après l'enlèvement, ça n'a pas passé. Parce qu'on a bien l'enlèvement pour un petit temps, et puis jusqu'à ce qu'on rentre dans le point que nous promettons pour nous parler. Donc, ça ne me se connaît. Il y a pas mal de prophéties dans la Bible. Et bon nombre parmi ces prophéties, ils ont déjà trouvé accomplissement. Mais qui sont des choses qui sont tristes, qui sont bonnes nouvelles et qui sont mauvaises nouvelles. Une seule nouvelle peut être bonne et peut être mauvaise en même temps. Ça va dépendre de qui quand la nouvelle l'a tombée, pour qui est-ce bon, pour qui est-ce mauvais. Nouvelle bon matin, les bon pour les croyants, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et pour ceux qui attendent l'enlèvement de l'Église. Et ils sont mauvaises nouvelles pour si là et autour qui pas croient, qui pour que jamais accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur. Qui nouvelle lié? Malheureusement pour les non-croyants, malheureusement pour ceux qui ne font pas la paix avec Jésus-Christ encore, la mauvaise nouvelle c'est que le retour, l'enlèvement de l'Église, pas gagné prophétie encore pour le faire. La paix, bon Dieu à vous. Pendant qu'une prophétie pour accomplir, ça peut arriver n'importe quel moment de la durée. Avant de quitter en cette là, ça arrive. Avant de quitter ce plan là, ça arrive. Avant d'arriver la cas où ça arrive. Donc c'est pourquoi les conseillers dans Matthieu, ils disent c'est pour nous mettre nos prêts, c'est pour nous veiller. Il ne va pas parler de tribulation. Parce qu'il faut que l'enlèvement de l'Église fait avant tribulation. Il ne va pas parler de la marque de la bête. Parce qu'il faut l'Église enlever avant de venir avec la marque de la bête. Il ne va pas parler d'antichrist. Parce que pour parler d'antichrist, il faut que la marque de la bête, faut que l'Église enlever d'abord. Parce qu'il y a plus de bagaille pour qu'il fasse. Mais l'enlèvement de l'Église, il n'y a qu'une prophétie qui n'était pas accomplie pour le faire. Est-ce que nous avons des samedis? Un nom dit béni soit l'Éternel. L'enlèvement de l'Église, il n'y a rien pour le vivre. Donc, même avec nous assez intelligents, so, si l'Église est capable d'enlever à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, ça veut dire que nous avons besoin de prêts. Pasteur, je comprends ce que je dis, mais si Jésus-Christ vient prendre l'Église, je ne vais pas aller. M'a sauvé, on l'a dit, m'a dit ça franchement. La Bible dit que ça heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Si c'est un wapton, l'Église finale vient pour parler à un jour pour bagaille, wap tellement troublé, wap tellement paniqué, wap tellement persécuté, wap tellement gen bagaille ap exige au copap café, wap mourir avant l'heure. Sans besoin d'arriver la veille. Préparez-vous, Jésus-Christ vini, trompette la sonne, et puis boum, ou transformé avec les morts en Christ, et puis n'allez rencontrer maintenant dans les airs. C'est pas ça? Amen. Donc, frère, ce matin, hein, c'était un plaisir pour nous dire que l'enlèvement de l'Église sont un événement qui arrive n'importe quelle heure. Pas de temps, pas de date, pas de jour, pas de prophétie pour quoi accomplir pour l'événement qui arrive n'importe quelle heure. Il peut prendre une semaine, il peut prendre deux semaines, il peut prendre 20 ans, il peut prendre 1000 ans, qui sait? Il peut prendre 2000 ans, mais l'essentiel c'est que pas de quelle prophétie pour qui a fait avant d'arriver. Donc, toute bagaille classée, il peut arriver. Anytime. Seigneur, merci. Matin pour parole. C'est dans parole où gagne la vie. C'est dans parole où Seigneur qui gagne tout ça qui est bon pour l'âme, tout ça qui est bon pour le corps et tout ça qui est bon pour l'esprit. Merci pour parole ça yo qui réveille nous dans le sommeil que nous y est. Et pour moi, nous maintenant prêts déjà. Et si nous avons des bagages, nous avons priorisé dans la vie. Si nous avons Seigneur éternel Dieu, nous avons mis comme numéro 1 dans le plan, nous, c'est ta préparation pour le jour du Seigneur. Et puis tout l'autre bagage va venir après. Donc maintenant, nous connaissons le monde qui a pile de distractions là-dedans. Nous connaissons le monde qui a pile de bagages qui attire nous. Mais pas nos courage avec force. Pour nous quitter tout l'autre bagage. Nous mettons au second plan, mais pour nous préparer la vie éternelle, pour nous préparer à aller nous avec Seigneur, l'Elvin chercher. Fais ça pour nous, s'il vous plaît. Fais ça pour nous. Fais ça pour nous qui sommes chrétiens déjà. Fais ça pour nous qui pour que jamais accepter Jésus-Christ dans la vie. Et ensemble avec vous, nous allons aller. C'est écrit que nous pour ce matin. Bénis-nous. Préparez-nous davantage. Encouragez-nous davantage. Jou kap vini yo nou pa konnen yo, mon konnen yo, prepare yo pou nou Seigneur. Et ben fè provision pou yo. Donc pou yo pou chaque monde.
c'est aussi là pour accepter nos prières pour vous. C'est aussi là où qui a faiblesse nos prières pour vous. C'est là où qui malade, qui a doute dans le cœur nos prières pour vous. Fais de vous-même, Seigneur, un instrument pour travailler. C'est que nous matin, nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, merci, merci. Mille merci. Pourtant que nous dépassons, la vidéo a pris pile temps aujourd'hui. Je connais quoi prendre temps pourtant d'elle parce que c'est la parole vivante, la parole de Dieu. Et qui pour la vie en abondance. Nous disons merci parce que tu es avec nous, tu es très patient. Et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage, que bon Dieu soutenu, que bon Dieu kembe. Parce que dans le temps, ça nous a besoin de Dieu plus que jamais. Et pour continuer à faire route là. Ou même qui est faible, gardez-nous. Cherchons les gens qui font. Parle avec elle, fais étude avec elle, prie avec elle. Pour être capable de courir ou pour être capable de courir. Parce que ensemble, nous sommes capables de vivre. Mais détachés, nous sommes faibles. Que bon Dieu bénisse. Bon dimanche, bon après-midi, bonne semaine dans le Seigneur. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.